Porteuse de mission de service public, ERDF a une démarche volontariste en faveur des personnes en situation de handicap. Elle a choisi de faire de l'accessibilité le fer de lance de sa politique handicap, accessibilité qu'elle développe à plusieurs niveaux. Au niveau national, la mission Handicap, en partenariat avec École de Demain, a mis en place un programme de développement d'outils et d'applications pour des jeunes élèves atteints de dyspraxie. L'idée, c'était de voir comment on pouvait très rapidement mettre en place des outils avec des enfants qui souffraient de troubles de l'apprentissage. Et l'idée, c'est de prolonger avec un travail, cette fois-ci, qui sera suivi avec différents types de handicaps et différents types de populations. À Paris, une formation au bac ProElec a été créée pour des personnes ayant été écartées du monde du travail. Alors, dans le cadre d'un partenariat avec le GRITA, a été mise en place en 2010 une formation en alternance de 2 ans, préparant au bac ProElec. Et son originalité, c'est qu'elle est réservée à des personnes en situation de handicap de tout âge. À Lyon, des entretiens ont été organisés pour mieux cerner les attentes de tous les collaborateurs. Nous avons voulu impliquer les salariés en situation de handicap pour leur donner accès à l'expression de leurs besoins. L'idée donc avec un cabinet externe a été de réaliser des entretiens pour que les personnes puissent exprimer leur situation dans l'entreprise. Pour Lucas aussi, jeune sourd à Toulouse, de nouvelles solutions voient le jour. Il y a un émetteur et un récepteur. Et lorsque la personne souhaite communiquer avec Lucas, ou du moins demander à Lucas de se retourner pour le regarder, il envoie une émission et Lucas reçoit sur le récepteur une vibration. Sourd ou entendant, là on se sent en sécurité. L'entreprise encourage les parcours diversifiés, comme pour Isabelle, qui a récemment émis le souhait de passer cadre. J'ai manifesté l'envie de suivre une formation diplômante pour passer cadre. Donc aujourd'hui, j'ai intégré l'école Euromed Management sur Marseille. L'accès à la performance est aussi très important, comme nous le montraient les équipages du Friandise Trophy, un raid inter-entreprise qui réunit valides et personnes en situation de handicap pour un parcours de 800 km à vélo et en canoë. Pour ERDF, l'accessibilité, ce n'est pas que l'accès au bâtiment. C'est aussi et surtout permettre à tous les salariés d'être intégrés durablement en bénéficiant de parcours professionnels dynamiques. Être actif sur le champ du handicap, c'est aussi répondre à ses missions de service public.